j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva qui vient de clasher très fort Victoria. Comme vous l'avez vu dans les derniers épisodes des Marseillais contre le reste du monde, Maeva et Vivi étaient en froid avant le tournage. Si elles se sont réconciliées depuis, Maeva n'a pas du tout apprécié que Victoria refuse de participer à sa nouvelle émission sur les dressings de luxe et elle l'a violemment clashée par message. Ce matin, Vivi a balancé sur Instagram cette fameuse conversation avec Maeva. Son chéri Bastos a également taclé la Marseillaise, qui serait selon lui vraiment mauvaise. Furieuse en découvrant leur story, Maeva répond au couple et tacle très fort Vivi. Elle balance qu'elle n'a jamais été amie avec elle. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Caïs, Jana et Paul qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Victoria a partagé cette conversation avec Maeva. Victoria est en vert et Maeva en blanc. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. À part que il y a des gens, je les crains. Oh mais oh, ça commence à me dégoûter. Mais comment ça me dégoûte? Ils sont prêts à tout pour avoir des vues, pour. Franchement, la vie, je la crains. Je suis trop déçue d'elle. Et vraiment, elle me dégoûte. Et heureusement pour moi que je ne l'ai jamais considérée comme mon amie. La fille, déjà j'en ai rien à cirer qu'elle fasse pas mon émission. Mais vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Mais la fille, elle accepte de le faire. Et après, elle refuse. Donc moi, je lui demande des explications. Et je comprends que c'est par rapport aux images qu'elle a vues dans les Marseillais vs le reste du monde. Sauf qu'à un moment donné, je comprends pas pourquoi elle se blesse, je suis honnête avec elle. La fille, c'est la première à me dire, toi, t'es amie avec tout le monde, être l'amie de tout le monde, c'est être l'amie de n'importe qui. Et elle se vexe parce que je dis que c'est pas mon amie. Mais à un moment donné, c'est vrai, c'est pas mon amie, Vivi. Et ça ne l'a jamais été. Alors oui, c'est une copine d'aventure, mais ça n'a jamais été mon amie. La meuf, la fille, non, c'est pas mon amie. C'était une copine, voilà, une amie. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de copains et de copines, mais des amis, j'en ai peu. Je les compte sur les doigts d'une seule main. Et Vivi ne faisait pas partie de mes amis, puisque c'est une fille que je ne vois jamais en extérieur. Je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle fait de la télé. Et en 2 ans ou 3 ans, j'ai dû la voir 2 ou 3 fois à l'extérieur. Donc non, t'es pas mon ami. Enfin, un ami, c'est quelqu'un que t'appelles quand t'as des problèmes. Moi, quand j'ai des problèmes, j'appelle pas Vivi. À l'extérieur, je la vois pas. Je la vois en aventure. Alors oui, ça a été une copine, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Même quand elle est arrivée dans les Marseillais au Mexique, ça a été la nouvelle que j'aimais le plus, que j'ai pris sous mon aile, que j'aimais trop et tout. Ça a été ma copine et tout. Mais ça a jamais été mon ami. Et elle a pris le seum par rapport à ça. Et après, elle va afficher. Mais elle est ridicule. Elle est ridicule. Mais si je m'amuse à afficher les messages de toutes les personnes connues avec qui je m'embrouille par message, mais je vous jure, je vous fais. J'en affiche tous les jours. Mais c'est complètement ridicule. Oh, je suis à l'aise dans son délire là avec son vieux mec. Même son mec, je peux pas me le voir.
Et heureusement pour moi que je ne l'ai jamais considérée comme une amie, parce que là, ça m'aurait fait... Déjà que ça me fait de la peine, ça m'aurait fait encore plus de peine. Et franchement, des vieux gens comme ça, j'en veux pas dans ma vie. Hein.